Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dracolo. On se retrouve avec les deux compagnons. Salut tous les deux. Salut. Attends, je teste un truc, Shobiti. Salut. Ah, donc c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être que quand mon micro est ouvert et qu'il détecte ta voix, Discord doit le jeter ou un truc du genre. Bah, Discord, il m'aime pas. Ah, je pense surtout qu'il aime pas que vous soyez à côté. Ouais. Bon bah j'ai compris, je jouerai plus avec toi. Mais si. C'est quoi ça? On aura une solution. Un coffre bizarre. Ah, le truc qu'on a cassé là? Ouais. C'est un truc de cristaux. Dedans il y a forcément des cristaux. D'accord. Genre de mine. On va se débarrasser de la petite merde là avant d'attaquer l'ennemi. Si jamais vous avez besoin d'armes, je viens de trouver un sac de sport. Mais bon, je pense que ça intéresse à peu près personne. Bah, faut avouer que là, on est plutôt couvert en termes d'armes. Alors, vous faites moins les malins là, hein, sans votre pote. Ok, alors ce camion, qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie? Tissu. T'es sûr d'avoir besoin de relier les camions sinon... Non, je regardais juste ce qu'il faisait. Parce qu'en fait, si tu l'actives pas au moins une fois, il apparaît pas sur la map. Oui, ça par contre, je sais. Mais non, les on a... Les viewers savent peut-être pas, mais moi je sais. Ouais, oui. Les ressources, clairement, on n'est pas... Je sais aussi que faut pas se fier aux symboles. Ça, il te dit que t'as des symboles, mais vu que tu peux avoir plus de camions, genre si t'as un symbole de bois, il te dit t'as un camion de bois, mais tu peux avoir plusieurs camions de bois. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Faut pas se dire ah j'ai un camion de bois, un camion de machin, un camion de truc, j'ai trouvé que 3 camions, c'est bon. Oui, si t'as marqué y a un seul camion, enfin y a un seul type de ressource, tu peux avoir 3 camions de cette ressource. C'est ça. Ah, je crois que je vois le cube tout là-haut. Bah, Shobiti, t'as qu'à te passer à côté, t'as même cassé l'arbre. Ah, j'ai pas vu le cube. Bah non. Mais j'ai pas vu le cube. Qu'est-ce que je peux dire? Une torche. Ah bah voilà. Donne. Apiculteur, on s'en fout. Alors pour Daf, il y a également un succès. Faut brûler les ennemis avec les flammes. Ah. Mais attends, je vais lui demander, c'est pareil apiculteur vu que j'ai eu le succès. Mais je sais pas si on va buter 100 ennemis ici. Ouais, non, ça me paraît tendu. Hein. Après, un petit peu plus de bonus de dégâts pour le boss, hein, c'est pas non plus. Hein. Surtout que quand on monte au niveau max, le bonus de dégâts il devient quand même assez badass. J'en profite, y'a personne aux alentours. Vas-y, on couvre. Ça y est, je suis à courant. Bon. Ah bon, on est passé de 10 à 80 dégâts de feu. Ah oui, je te dis, hein, ça fait mal. En plus, à part la bouffe, on n'est pas trop en manque. Bah c'est parfait, hein, j'ai envie de dire, il aura son lit de qualité pour nous faire des bonus de dégâts. Il le mérite bien. Bon, bah on essaie d'aller tout au nord. Hein. De toute façon, on va taper sur deux ennemis en passant.
Ah oui, d'accord, je pensais effectivement aller au chemin, mais pardon, pas de temps pour moi, je n'ai pas été assez précis. Faisons cette île alors maintenant qu'on est là. Bah on peut prendre le... Qu'est-ce qui est le plus rapide de prendre le chemin ou de traverser? C'est une bonne question. Aïe Reviens là. Saloperie quoi. Elle arrive à nous esquiver tous les trois quoi. C'est une horreur le machin. Il était où le camion? Il y avait un camion sur cette foutue île. Non, il n'y a pas de camion. Ah si, carrément, on l'a relié. Il est juste là. Ouais. T'es rien là toi. Ah, on va faire plus mal déjà. Hein. Puis surtout, on fait des dégâts dans le temps. Alors, normalement, si on part sur la gauche, voilà. Bim, bam. Non, plutôt par là. Compliquez vos histoires de gauche et de droite. Hein. Elle dit ça sans se démonter quoi. Ah ouais, on gagne quasiment un kilomètre là en prenant le chemin. Ah l'enfoiré. Qu'on est là, on va pouvoir aller retourner sur le phare. Pas sûr qu'on puisse monter. Ça veut dire que sur la carte, le phare il fait un gros point bleu, ça se trouve, on aurait pu le voir avant. Avant de le repérer. Ah merde, mon œuf! Pas pu venir! Un point bleu? Ah merde, t'es mort où en plus du coup? Ah, oh, c'est pas. Ah oui! Pas grave, j'ai retourné voir mon corps. Ah ouais, je vois pas ta tombe du coup. Est-ce qu'on peut la voir sur la carte? Ah merde, c'est chiant ça! Je suis qu'à 200 mètres. Hein. Non, c'est un arbre. D'accord, bon, je te laisse. Revenir alors. J'ai voulu m'amuser avec les ennemis du coin pour. Pour monter le succès. Pour les brûler. Ouais. Ah, et c'est le risque. Je lui dis, t'es parti sans moi. Non, je vais faire un coffre, j'aime pas les coffres. Un peu, j'allais mourir. De Saint-Elme là sur moi. Sinon... Allez, brûlez. Brûlez. Mais non, pas toi. Pas de raison. Bûcher, au bûcher. La sorcière. Oh.
Ouais, ça grouille encore, hein. Ah, ça... Oui. One shot celle-là. Plaisir. Est-ce que t'arrives à nous retrouver, Brodaf, au fait? Ouais, ouais. Je suis sur la même île, là, normalement. Ah oui, je te vois, effectivement. Il est aux prises avec un croqueur. Oh, des croqueurs! Il reste deux ronces, c'est ça? J'en ai vu une, là. Ah bah bien, c'est la dernière du coup. Oh, j'ai une arme de corps à corps dedans. Des cristaux. Ah, j'ai eu un arc aussi. Tu voulais pas un arc aussi? Ah, un arc, je veux bien un arc. Ouais. Parce que mon arc est tout pourri. Est-ce que tu le vois? Je le vois. 660 là. Hop. C'est bon, deux bah... fois plus que ce que j'avais quoi. Ah ouais. Là. Tu lis le Brodaf? Ouais, je suis un peu paumé, tu me donnes la direction? Ah bah en face là. En face, ouais, là aussi. Au nord, un peu à l'ouest, mais plutôt au nord. Ouais. J'ai cassé mon arme, on va prendre un truc plus rapide, voilà. Pied de chaise, parfait. Cassé ton arme. Ouais, quand on avance de front, c'est sûr que ça fait plus mal. Hein. On va pouvoir faire la quête. Attends, reviens là, loup, petit là. Loup. C'est dingue ça. On va peut-être se heal un petit peu avant la quête. Ouais, bon. Ça pourrait être une bonne idée. C'est moi qui ouvre les portes cette fois. Vous me dites si c'est bon pour vous. Je pas. Bluff, c'est Dragor qui boive. C'est bon. Tu bluffes, Martoni. Radis. J'ouvre les portes. C'est noble maçon. Oh la vache, c'est complètement défoncé. Il a tout cassé. Ah, il a bien défoncé la maison. Ouais. Tu veux lire ou je lis Sagebeck? Comme tu veux. Ah vas-y alors, je te laisse l'exclusivité. Ok. Excellent travail, tu as éveillé le maître des exécuteurs en personne. Je crois que tu n'en as pas terminé avec lui, il est coriace. Tu vas avoir besoin d'aide. Il sera bientôt de retour, et chaque fois que tu le vaincras, il reviendra. Alors tu n'as qu'à l'attirer au camp, quand il y sera, affaiblis-le, tout se passera bien, tu verras. Je te souhaite bonne chance, même si je sais que tu n'en auras pas besoin. Mm-hmm. Voilà, là il va pas, il va popper en boucle. Il faut qu'on fasse ouais. Se rentrer au camp. Et j'ai pas des. Allez. Voilà. Faut qu'on arrive à retrouver un chemin vite. J'ai mis le petit marqueur si tu veux nous guider, Brodaf. Ok, j'arrive. Chobiti, c'est pas le moment de tirer dessus. Je gagnais du temps le temps que vous arriviez. Non. Ouais, sauf qu'on est juste derrière toi.
Putain, quand on ouvre la carte, ça me pousse. Ah, ok. Il est juste derrière nous. Fuyez, pauvre fou. Pas de prendre ça seul encore. Aïe, vache. T'as pas sur tête? Oh non, c'est bon, c'est bon. Vous avez perdu. Faut trouver un point de passage. Moi, j'ai trouvé j'ai encore 57 EJ, donc on part tout droit. Go. Je pense qu'on peut se tracer tout droit sans avoir besoin des points de passage. Bah, sauf que. Aïe. Il y a ce problème là. Ah putain. Non. Ouais. Voilà pourquoi les points de passage quoi. Vous avez abandonné. Ouais ouais, non mais on est juste derrière toi, t'inquiète. Sans les points de passage. Il y en a sur cette île. Oui. Normalement, près de l'usine, je pense. Non, c'est pas ça. Ici, ils sont là. Courrez. Putain, j'ai presque. Il me coupe pas avant qu'on arrive. C'est bon. En avant. Attends, faut juste que je me paume pas. Mais je suis broudaf alors. Tout va bien. Oups. À gauche. Voilà. Bon, de toute façon, au pire, il suffit d'arriver à... Tout le monde au poste de combat. Arrête de danser. Putain, il veut pas s'arrêter de danser ce con. Ok, on peut pas le taper quand il danse, c'est ça. Attends, et c'est super important de danser. Au poste de combat, les gars. Allez, bougez-vous. Terminé, vaincre les exécuteurs. Putain, ils ont défoncé, je les ai même pas vus. Ouais. J'ai rien vu. Retour au bercail. J'ai été la première personne à t'accueillir dans le holo et ça m'a fait plaisir, mais toutes les bonnes choses ont une fin. C'est un au revoir à la fois triste et heureux. Dès que j'ai posé les yeux sur toi, j'ai su que tu pouvais nous aider. Alors, sachant qu'il continue de se battre derrière, on entend. Je suis en ciné, donc je n'en sais rien, je suis peut-être en train de crever, hein. J'ai jamais douté de tes capacités. T'es dans le... Toi aussi t'as le texte, Broudaf. Ouais, tout à fait. Je te félicite vraiment, tu as été héroïque. À présent, le voile est levé, il est temps de se quitter. Cette année exécutée, on a des moments qu'on passe, c'est certain, mais je suis triste de devoir te dire au revoir. Madame Féline nous dit, je n'aime pas accorder mon amitié trop rapidement, mais tu l'as gagné à jamais. J'étais un peu ennuyé à ton arrivée, certes, mais me voilà bien embêté de te voir partir. Ce sera étrange de ne plus te voir, mais je suis reconnaissante car ce monde revit grâce à toi. Je crois que j'ai une poussière dans l'œil. Ah non, dépêche-toi de partir avant que quelqu'un le remarque. Au revoir. Barbebook nous dit, moi, Barbebook, je n'ai jamais été doué pour les adieux. Je suis bien meilleur pour les bonjours. Je ferai bon usage de l'héritage que tu nous laisses, et surtout de la gentillesse dont tu as fait preuve. J'ai lu ton avenir dans les étoiles, je peux t'assurer qu'il sera brillant où que tu ailles. Autrefois, un vieux book m'a dit qu'un au revoir n'est que le premier pas vers une nouvelle rencontre. Oh, c'est mimi. Allez, viens faire un câlin à ton vieil ami. Je ne vais pas te mentir, tu me manqueras. Oh, c'est vraiment toi que j'adore le plus au monde, nous dit Petit Renard. C'était tellement bien de jouer avec toi, il n'y a personne de plus malin que toi, c'est sûr.
Ma maman ne sera pas contente parce que je vais prendre froid, mais je voudrais te donner cette écharpe pour que tu penses à moi. J'aurais bien aimé faire un dernier jeu avant ton départ, tu vas beaucoup me manquer. Et même cette le collectif des dragons nous parle. Bah, le renard, ouais, ils ont tous les yeux verts, mais vu que lui, il les a bien bien ouverts et tout, ouais, c'est un peu flippant, ouais. Comment te dire au revoir après ce que tu as fait pour nous? À ton arrivée dans notre monde, nous avons senti l'espoir renaître dans nos racines bien avant que notre raison ne s'éveille. Grâce à toi, notre avenir s'annonce un peu plus radieux. Nous avons dû tout ce que nous avions perdu grâce à ta gentillesse, nous allons prospérer, nous n'oublierons pas ton nom, tu vaux bien plus que tu ne l'imagines. Et ils ont géré l'invasion sans nous derrière, pas de soucis. Adieu. Ouais, ils se sont transformés en Rambo, hein. Ah ouais, carrément. En même temps, les balistes, hein, ça déconne pas une baliste. Et c'est fini, ça y est, c'est la fin de l'aventure. Oh, c'est fini. Alors j'aurais bien voulu un petit truc de fin, moi, en rapport avec le fait qu'ils aient trouvé son téléphone et tout, ça aurait été cool, mais... Il y a Lou, le toutou du bureau, dans les crédits, j'avais pas fait gaffe. Et ben en tout cas, c'était bien sympa cette série. Ouais. Je sais pas si t'as coupé toi, moi j'ai coupé le record. Non, je suis encore en record, je vais vous dire. À bientôt, bah du coup pas à bientôt aux gens de Broodaf puisqu'il a déjà bah coupé, oui. Mais... J'ai fait une bêtise, à bientôt. Oh bah non, c'est pas grave, hein. À bientôt tout bye le monde. Bye.